أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense pour votre présence. Qu'Allah vous récompense aussi pour votre assiduité. J'espère que ce moment passé ensemble sera les plus beaux et bons moments de ce confinement. Les moments où on se rappelle notre Seigneur, les moments où on évoque sa majesté, les moments où on renforce la foi de notre cœur. Et tous ensemble, on réalise une force, la force d'aimer, la force de s'aimer aussi. Il ne faut pas oublier de s'aimer, puisque Sourate al-Fatiha, elle permet aussi également de s'apprécier, de s'aimer, de s'accorder de la valeur. La valeur qu'Allah nous a accordée à tous et à toutes, et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une valeur qu'Allah, Azza wa Jal, nous l'a donnée, et personne ne peut nous l'enlever. Ça, il faut en être sûr. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, quel bonheur, quelle joie de vous voir connectés. Mashallah, qu'Allah vous récompense. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager, s'il vous plaît, ce sont des formes de sadaqat. Vous êtes récompensés grandement par notre Seigneur. Alhamdulillah. Je me suis aperçue aussi qu'on nous regardait de Dubaï. Mashallah, qu'Allah récompense nos frères et nos sœurs qui nous regardent un petit peu de partout. Et puis encore une fois, j'ai une très grande et profonde pensée pour ceux qui sont dans la maladie de cette épreuve, pour ceux qui sont dans la maladie tout court, pour ceux et celles qui ont perdu un être cher durant cette épreuve. Sachez qu'Allah est excellent, son choix est excellent, et c'était la décision d'Allah Azza wa Jal. Il ne faut pas regarder derrière soi ni devant soi, mais vivre le moment présent. Ce moment où on doit se réformer tous ensemble, puisqu'il en va de notre avenir. Et j'aimerais justement commencer ce petit rappel avec, de toute façon je vous donne des clés à chaque fois, mais avec trois grandes clés pour construire sa détermination. Construire sa détermination commence par le fait d'avoir un objectif ferme. Et pour cela, le prophète, alayhi salatu salam, nous dit « Innamal a'malu binniyat ». Les actes ne valent, ne suivent que l'intention qu'on lui a accordée. Donc, tout dépend, dans tout ce que je fais, de l'intention que j'ai mise. Avoir, inshallah, l'intention de satisfaire Allah et avoir un grand objectif. Avoir un grand objectif, c'est celui de satisfaire Allah, et avoir un objectif ferme, décidé, réfléchi, maîtrisé. Et ça, c'est très très important. Innamal a'malu binniyat wa innamal li kulli imri'in ma nawa. Et chaque personne aura ce dont elle a souhaité. Si j'ai souhaité le bien, j'aurai le bien. Si j'ai souhaité le mal, j'aurai le mal. Donc pour cela, il va falloir travailler son intention, avoir un objectif ferme. Donc là, durant le confinement, et vous avez vu, subhanallah, que tout ce qu'on étudie, les versets, les hadiths, par exemple, vendredi avec l'histoire des compagnons de la caverne, subhanallah, à chaque fois, lié avec le confinement, lié avec l'épreuve, j'aimerais que notre objectif soit ferme, c'est-à-dire que ce rappel vous appelle à être acteur de votre vie, et non spectateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me projette là dans l'avenir. Ça veut dire que le confinement, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi après. D'accord? Tout ce qu'on va ancrer en ce moment et demain, Inch'Allah, c'est pour notre futur, pour le futur de cette belle communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mettez, Inch'Allah, quand vous mettez salam alaikum, mettez aussi le nom de la ville et le pays, mashallah, ça prouve qu'on est une grande unité, on est une grande communauté, et le prophète, alayhi salatu salam, ne sera que fier de sa communauté. Donc, premièrement, pour construire sa détermination, fixez un objectif clair et déterminé, d'accord? Est-ce qu'on veut être, par exemple, un croyant ou un véritable croyant ?
un croyant ferme dans ses valeurs et ses principes. Qu'est-ce que je veux ? Un simple musulman ? On peut l'être un simple musulman, on peut l'être un simple croyant. Mais un véritable croyant, ça, c'est un très grand et bel objectif. Et puis, subhanallah, deuxième clé, eh bien, le fait de comprendre les lois universelles de la vie. Et parmi les lois universelles de la vie, si on regarde dans Sourate al-Mulk, le royaume d'Allah, Allah Azza wa Jal nous dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah a créé la mort et la vie. Pourquoi? Il y a un but bien précis. Même Allah s'est donné un objectif bien précis. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On a deux infos dans ce verset. ليبلوكم, pour vous tester, pour vous mettre à l'épreuve, premièrement. Et on est tous et toutes dans l'épreuve, c'est la loi universelle d'Allah. Ayyukum ahsanu amala, lequel parmi vous sera le meilleur dans ses œuvres. Et les savants vont expliquer que le meilleur dans les œuvres, c'est celui qui œuvre par une bonne œuvre, conforme aux lois d'Allah, et deuxièmement, que l'œuvre soit sincère, qu'elle soit vouée pour Allah. Donc à chaque fois que j'œuvre, à chaque fois que j'agis, à chaque fois que je parle, à chaque fois que je donne, là c'est le vent, Joun Ben Junoudillah, le vent est l'un des soldats d'Allah, prenez-le bien, c'est une force d'Allah, subhanallah, on ne le voit pas mais il est là, Allah nous le montre, c'est un des signes d'Allah. Donc premièrement, avoir un objectif clair et précis. Ibrahim alayhi salatu wasalam avait un objectif clair et précis aussi. Il a voué toute sa vie à Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dis, qul inna salati, ma prière. À partir de maintenant, à partir de ce jour, à partir d'aujourd'hui, ma prière elle est vouée pour Allah. Wa nusuki, mérite tout ce que je fais, toute ma religion c'est pour Allah. Mon comportement, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire. Wa mahyaya, toute ma vie est vouée pour Allah. Ma vie elle n'est pas vouée pour un homme ou pour une femme ou pour quelqu'un d'autre. Ma vie elle est vouée uniquement pour Allah et c'est ça le bonheur. Qulna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Même ma mort, je dois la préparer pour Allah, je dois préparer l'au-delà et vouer ma mort pour Allah, c'est-à-dire que j'ai un objectif. Celui de comment mourir, comment rencontrer Allah. Est-ce que je vais le rencontrer à travers une belle mort, ou ça va être une mort classique, ou bien une mort avec un état de péché. Donc c'est à nous de fixer des objectifs et c'est ce qui nous manque dans la vie. Nous on marche, on chemine, on avance et on ne sait pas où on va. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Innama al-a'malu bi-niyyat ». Les actes ne valent que par l'intention, l'objectif que tu as donné à cet acte. Et troisième clé, celui de mordre dans la vie, sans s'arrêter. Je dis bien mordre dans la vie, d'accord ? Vous avez vu que mes mots et mes termes étaient forts. Ça, c'est pour vous permettre d'ancrer la foi. Et on a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, « Ayyul a'mali ahabbu ilallah ?» Quels sont les actes les plus aimés, appréciés auprès d'Allah ? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, répond « Adwamuha wa in qal » Celles qui sont constantes dans la durée, même si tu en diminues. Je prends un exemple. Dans « Nawafil », c'est-à-dire les prières en plus des prières obligatoires qu'on fait quotidiennement. Si j'ai l'habitude d'en faire 10 par jour, donc 5 fois 2, 10 rak'at, c'est-à-dire que 5 prières non obligatoires fois 2 unités, eh bien, je peux traverser par exemple un moment de faiblesse et m'arrêter à 2 unités. Mais m'arrêter complètement, ça n'est pas apprécié auprès d'Allah. Et ça permet de garder une constance dans le Coran, une constance dans le salat, une constance dans le saum, dans le jeûne, une constance dans tout. Même dans les, dans, 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 dans
dans les relations avec les parents, la fratrie, les conjoints, avec les enfants, d'accord? À un moment donné, peut-être je vais être, voilà, je vais me donner, et à un moment donné, ben, mais au moins de garder le juste milieu. Ni de trop en faire, c'est notre erreur, et ni de ne pas en faire assez ou de ne rien faire. D'être dans le juste milieu, sans se faire du tort et sans faire de tort à l'autre. D'accord? Je répète les clés. Avoir un objectif ferme et précis, dans tout acte d'adoration, dans toute ma vie. Ensuite, de comprendre les lois universelles d'Allah. Dans les lois universelles d'Allah, on va y revenir, Inch'Allah, tout le long de ce confinement. La patience, l'adoration, la confiance en Allah, le don, partager, bismillah, bismillah, s'il vous plaît, bismillah, partager, ce sont des sadaqat. D'accord? Bon, il y a la sadaqa virtuelle. Mais il y a la sadaqa matérielle, il y a le don de soi aussi. Le prophète, alayhi salatu salam, a dit l'ibtissam ou sadaqa, le sourire est aussi une aumône. Donc tout ce qui va faire plaisir à Allah, c'est une forme de sadaqa. Et de mordre dans la vie sans s'arrêter. C'est-à-dire que je suis ferme, je ne m'arrête jamais. Je ne fais pas de pause. On n'a pas été créé justement pour cette vie, pour s'arrêter. Être dans la fainéantise, freiner, ralentir. On est là pour garder une constance, même si on en diminue un petit peu, mais garder la constance, c'est ça le secret. La constance, la régularité. Alors, pour justement préserver cette régularité, Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourate Ali Imran, le verset 200, يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Allah nous aide justement dans l'objectif qu'on va se fixer. Vous qui croyez fermement en Allah, patientez, endurez et éduquez votre âme à la patience et craignez Allah pour que vous réussissiez. Je répète, vous qui croyez fermement en Allah. Il n'y a pas dans l'islam une foi mélangée à du doute. C'est une foi ferme. C'est soit je crois, soit je ne crois pas. Soit j'ai confiance en Allah, soit je n'ai pas confiance en Allah. Soit j'apprécie Allah, j'apprécie le satisfaire, soit je n'apprécie pas. Patienter. Il y a des moments dans l'épreuve où ça demande de la patience. Mais parfois, certaines épreuves vont demander justement de l'endurance, c'est-à-dire de se forcer à patienter encore plus parce que l'épreuve est encore plus forte. Et éduquer votre âme à la patience. Warabitu, rabata, ça veut dire faire un nœud, c'est-à-dire éduquer son âme à la patience. La vie, c'est aussi une des lois universelles d'Allah, la patience. Patience et aussi, et craignez Allah pour que vous réussissiez dans la vie. Patience et crainte. Alors, comme je vous ai promis hier, à la suite du tafsir, de l'explication de Alhamdulillah, j'espère que maintenant la prière elle a une autre saveur maintenant quand on rentre avec le basmala alhamdulillah. Eh bien, on va voir aujourd'hui quelles sont les vertus du hamd. Hamada, je répète, signifie adorer Allah avec admiration, avec amour et reconnaissance. Et puis on démarre notre journée avec Alhamdulillah, cette sourate qu'on récite dans la sunna du Fajr. Si, subhanallah, on a cette valeur qu'Allah nous a inculquée dans notre vie, si on a cette valeur en nous de dire Alhamdulillah en toutes circonstances, d'apprécier Alhamdulillah même dans notre salat, eh bien il faut comprendre qu'on fait partie des rapprochés d'Allah. Mais il est important de comprendre ce qu'on dit. Quel est le sens et la valeur de cette reconnaissance, de cette admiration et de cet amour. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Ibrahim, alayhi salatu wassalam, « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ » Donc, voici la première vertu. « Et votre Seigneur a annoncé de manière ferme et claire que si vous êtes reconnaissant dans les bienfaits
que je vous ai accordés pour les mettre au service de mon obéissance, je vous comblerai davantage, et si vous êtes ingrats, mon châtiment sera douloureux. » Sacré verset, subhanallah, je répète. Et votre Seigneur a annoncé de manière ferme et claire. C'est la promesse d'Allah. Il n'y a aucune ambiguïté dans sa promesse. Ancrage de la foi, s'il vous plaît. C'est la promesse d'Allah. Il faut y croire fermement si on est croyant. Et votre Seigneur a annoncé de manière ferme et claire que si vous êtes reconnaissant dans les bienfaits que je vous ai accordés pour les mettre au service de mon obéissance. Donc Allah nous demande quoi ? D'être reconnaissant. Quand on rentre dans ce salat, c'est une manière de reconnaître le bienfait d'Allah. Quel bienfait ? Premier bienfait, le bienfait de la foi, de la soumission à Allah. Le bienfait de l'invitation à la salat. Ce n'est pas grâce à moi parce que j'ai décidé de faire mes ablutions, ensuite la salat, etc. De me voiler, de mettre mon qamis, que ce n'est pas grâce à moi. C'est grâce. Grâce veut dire rahma. C'est par la rahma d'Allah. Donc, d'être reconnaissant, mais d'être reconnaissant dans la raison ou dans le cœur, ça ne suffit pas. Il faut être reconnaissant par une manifestation. Il faut le montrer volontairement. Et Allah Azzawajal, puisqu'il t'a donné la foi, il te demande de lui être reconnaissant. Comment ? En pratiquant. On ne peut pas prétendre aimer Allah sans lui témoigner de notre amour. C'est ça l'épreuve aussi. Dans chaque test, on va témoigner de notre amour, de notre crainte, de notre reconnaissance, de notre admiration. Et ça, c'est très très important. On ne peut pas être que dans les paroles, c'est pas vrai. Allah nous dit, pour les mettre au service de mon obéissance, tout ce qu'Allah nous a donné appartient à Allah et Allah n'a oublié personne. Le téléphone, là, actuellement, avec lequel je suis avec vous en live, Allah me l'a donné, Allah me l'a offert, et puis j'essaye d'en faire un bon usage, de le mettre à la disposition de mes frères et mes sœurs pour qu'on puisse se rencontrer, pour qu'on puisse échanger, s'entraider. Ça peut être mon ordinateur, ça peut être ma voiture, ça peut être mon conjoint, ça peut être mes enfants, ça peut être mes parents. C'est un khir. Ça peut être une science, d'accord ? La langue arabe, les sciences religieuses, le Coran. Tout ceci, subhanallah, est fait pour nous, mais il nous a été donné par Allah ses biens, ses cadeaux, pour les mettre justement à la disposition de l'obéissance à Allah Azzawajal. Et Allah ajoute, je vous comblerai davantage, et si vous êtes ingrat. Donc Allah nous dit, si vous êtes dans l'obéissance, si vous mettez mes biens que j'ai mis à votre disposition pour satisfaire Allah, nzidkum, je vous en rajouterai plus, je vous en donnerai davantage. Donc voyez que même mon argent, je prends exemple à mon argent, si je le mets à la disposition aussi des autres, eh bien Allah ajoutera à mon argent, à mon compte bancaire. Mais ça, c'est une question de force. La force de la foi, la force de la croyance. C'est soit on a confiance en Allah, soit on n'a pas confiance. Il n'y a pas de entre les deux gris. C'est ou noir ou blanc avec Allah. Donc soit je suis dans l'obéissance, soit je suis dans le refus, dans la gratitude. Puisqu'Allah a dit, je vous comblerai davantage. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera douloureux. Donc, il est important de se remettre en question à l'épreuve que nous traversons, par rapport à cette épreuve, de se dire, est-ce que je n'ai pas négligé ma reconnaissance vis-à-vis d'Allah ? Et une des négligences, c'est la foi. C'est les maladies du cœur qui ont traversé notre cœur. On a beaucoup de maladies du cœur. J'avais parlé des passions, j'avais parlé du shirk caché. On s'est tellement laissé aller dans notre foi. On a accepté des erreurs, on a accepté des péchés, on n'a pas voulu se laver, on n'a pas voulu se purifier. C'était à moitié. Mais Allah nous dit, l'épreuve que vous traversez, ça vient aussi des maladies du cœur.
C'est pour ça que j'appelle à se poser les bonnes questions pour un meilleur ancrage de la foi. Il faut ancrer sa foi, il faut qu'elle soit ferme, solide, qu'on ait la niaque de satisfaire Allah Azza wa Jal. Parce que même dans son châtiment, subhanallah, c'est une rahma, puisque voilà, le rappel est là, on prend conscience ou on ne prend pas conscience, parfois on a besoin d'être secoué. Heureusement qu'Allah a créé l'enfer pour nous dire attention, mettez les warnings, là l'enfer peut vous attendre. Donc vous voyez que même l'enfer c'est une rahma au final, c'est un cadeau d'Allah, parce que pour ceux qui sont à la limite ou ceux qui ont franchi la limite, eh bien parfois ce qui les fait revenir c'est de se dire, et si je mourais dans cet état, et si l'enfer j'y serais jeté sans repentir, sans rahma d'Allah Azza wa Jal. Donc la personne, elle reprend ses esprits et elle réagit et elle avance. La foi, c'est patience et reconnaissance. C'est patience, endurance, c'est éducation de l'âme à la patience et reconnaissance. Reconnaître, ça ne suffit pas que de dire Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et je témoigne des cadeaux qu'il m'a offerts, je lui témoigne ma reconnaissance par des bonnes œuvres sincères. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que dans la formule Alhamd, dans cet acte d'adoration, de reconnaissance d'Allah, soit on est dans la reconnaissance, c'est une rahma, et puis soit on est dans l'ingratitude, on est dans les péchés, on est dans l'enfer. Et là, subhanallah, c'est quelque chose qu'on a choisi pour nous-mêmes. Personne n'a choisi pour nous de commettre le péché. Nous avons décidé de le commettre, ce n'est pas l'autre qui nous a poussés, c'est nous-mêmes, on s'est jeté vers le péché. Allah est très clair, soit la reconnaissance, soit l'ingratitude vis-à-vis de ses biens. Dans Sourat Saba, le verset 13, et là ça nous mène justement à la deuxième vertu de la reconnaissance, c'est-à-dire les œuvres. Ça veut dire quoi ? Allah Azza wa Jal nous dit dans Sourat Saba, le verset 13, اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Allah nous dit, famille de Daoud. Allah s'adresse à la famille de Daoud, le prophète Daoud alayhi salatu wasalam, et qui était roi aussi. Œuvrez dans la reconnaissance et dans l'obéissance à Allah, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc regardez, subhanallah, dans ce verset, qu'est-ce qu'Allah nous dit ? Que même si tu as les plus belles et grandes richesses, puisque le prophète Daoud était roi, son fils aussi Souleyman, ils étaient rois et prophètes, donc ils possédaient des biens. Allah nous dit, même si tu as autant de richesses que tu n'as pu avoir, eh bien tu dois œuvrer, tu dois agir, tu dois donner, tu dois témoigner de ta richesse. Et nous, subhanallah, aujourd'hui, on remarque qu'il y a un grand fossé. On est en 2020, on est au mois d'avril, l'année 2020, et il y a un grand fossé entre les riches et les pauvres. Il y en a qui en ont trop, tellement trop, subhanallah, qu'ils ne savent même plus comment faire de leur argent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire de leur argent? J'ai vu, subhanallah, certaines stars imaginer des bêtises parce qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Ils en sont arrivés à transformer leur corps, alors que d'autres, subhanallah, crèvent de faim. Alors que d'autres, manger du pain, c'est difficile. Nous, on commence, subhanallah, à s'inquiéter, à se dire, mais... les hypermarchés, les supermarchés, est-ce qu'ils vont se vider? Est-ce qu'on va pouvoir être approvisionné? Comment on va réagir? Le pain, il commence à se faire un peu rare.
La farine aussi pour faire le pain, subhanallah, les féculents, les denrées alimentaires essentielles. Eh bien, subhanallah, si on veut que nos richesses s'accroissent, il va falloir agir. C'est-à-dire, Allah m'a donné et je dois à mon tour donner. Donc, pour que Allah Azzawajal accepte mon hamd, accepte que je dise Alhamdulillahi Rabbil Alamin avec la langue, je dois aussi témoigner avec les œuvres. Et la suite du verset, elle est très triste, puisqu'Allah a dit Wa qalilun min ibadi ash-shakur, et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Allah malak alhamd idha radit, Allahumma lak alhamd inda ar-rida, Allahumma lak alhamdu ba'da ar-rida. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma ja'alni laka shakkara, Seigneur, fais de moi un serviteur reconnaissant. Reconnaissant dans l'action, pas uniquement avec la langue. Et parmi les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, parfois on ne s'en rend pas compte, hein, c'est la guidance. C'est le fait de dire la ilaha illallah. C'est le fait d'être soumis à Allah, d'avoir la foi. Mais avoir la foi, ça ne suffit pas. Il faut être dans l'action. Parmi les bienfaits d'Allah aussi, c'est l'apaisement du cœur, d'avoir un cœur apaisé. C'est que quand l'épreuve, elle arrive, eh bien, je ne me néglige pas, je suis juste avec moi-même, juste avec les autres aussi. Et parmi les bienfaits d'Allah, c'est la stabilité dans la famille, dans le couple. La stabilité au niveau des enfants, subhanallah, qu'ils soient obéissants à Allah. Ça, c'est des cadeaux d'Allah. Et j'aimerais faire une petite parenthèse au sujet du couple, et je vais y revenir, inshallah, parce que c'est très très important. La plupart des messages qui m'ont été envoyés concernent le couple. Le couple et la salat, et ensuite vient après la gestion des enfants. Le couple, la cellule la plus importante dans la société, c'est une cellule en ce moment déséquilibrée. Pourquoi ? Tout simplement les maladies du cœur et tout simplement la désobéissance à Allah. Alors il va falloir se remettre en question, et j'ai prévu inch'Allah un live spécial couple, d'accord? Donc il est important de se remettre chacun en question. J'en fais pas trop pour ne rien avoir, et j'en fais pas assez ou rien pour justement négliger les droits de l'autre. Il va falloir être vigilant. Ça, c'est très important de se remettre en question en tant que conjoint et conjointe. S'il vous plaît, qu'Allah vous récompense en tant que conjoint, conjointe, ça commence par là, et ensuite en tant que parent. Qu'Allah nous pardonne, on n'est pas parfait, on fait le meilleur de nous-mêmes, on donne le meilleur de nous-mêmes, on agit pour Allah Azza wa Jal, et surtout on se remet en question. Si vous saviez les messages que je reçois, je me dis, ah subhanallah, dans la communauté, on a pu en arriver là. Oui, si je vous raconte des histoires, c'est des histoires de musulmans. Hein. C'est des histoires, mais a'oudou billah, af'al shayatin. Donc, ça signifie qu'il n'y a aucune remise en question, du matin jusqu'au soir, ni dans la parole, ni dans le geste. On se permet certaines choses. Je parle aux hommes et aux femmes, pas qu'aux hommes et pas qu'aux femmes. Je parle aux deux. Il y a urgence à se remettre, s'il vous plaît, en question. Et s'il vous plaît, tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des messages, suivez les lives, les clés sont là. J'ai prévu cela parce que je sais très bien ce qui se passe. Je suis dans l'action, dans le terrain, je forme et je vois certaines choses. D'ailleurs, mes étudiants, subhanallah, je leur expose des études de cas. Parfois, ça les choque. Mais s'il vous plaît, remettez-vous en question. Partagez, bismillah, partagez les lives, partagez, vous serez grandement récompensé par votre Seigneur. Avoir un bon voisin, ça fait partie aussi des cadeaux d'Allah. Avoir une science aussi. Là, je suis en train de faire le rappel. Et puis cette science, essayez de la partager, essayez de la communiquer, essayez de l'enseigner à votre tour. Ça fait partie de la reconnaissance du khir qu'Allah nous a accordé à travers la chaîne d'Arifton, qu'Allah les récompense tous et toutes. Et puis toute forme de bien matériel, une voiture,
Le fait de pouvoir avoir par exemple juste mais bêtement un supermarché à côté de chez soi, d'avoir le marché à côté de chez soi, subhanallah, d'avoir une amie, un ami sur qui compter, etc. Tout ça c'est des cadeaux d'Allah, tout ça c'est les bienfaits d'Allah. Et Allah nous dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous mettez à compter les bienfaits d'Allah, les cadeaux d'Allah, vous ne pourrez pas réussir à les dénombrer. Et puis, une des vertus de Alhamdulillah, peut-être que ça va vous étonner, et j'appelle vraiment à multiplier cette formule, Alhamdulillah, c'est le fait d'être protégé du châtiment d'Allah. Et ce que nous vivons, c'est une épreuve dans le châtiment, on y reviendra à Fassalat, parce qu'il y a un verset que j'aimerais justement échanger avec vous. Mais j'y reviendrai, Inch'Allah, concernant la salat et le châtiment d'Allah. Donc, d'être protégé du châtiment, cette épreuve est pour nous soit un châtiment si on ne se remet pas en question, soit une rahma si on décide de se réformer, si on décide d'ancrer la foi dans notre cœur, comme Allah nous l'a demandé, selon les valeurs d'Allah et non pas selon mes valeurs. Dans Sourate An-Nisa, le verset 147, Allah Azza wa Jal nous dit « Ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakaratum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima » Comment Allah pourrait vous châtier si vous êtes dans la reconnaissance et si vous êtes fermement croyant? Et Allah récompense de manière parfaite et Allah détient la parfaite connaissance. Je répète, comment Allah pourrait vous châtier si vous êtes dans la reconnaissance? Reconnaître ses erreurs, reconnaître qu'Allah nous a comblés et reconnaître en témoignant par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, quand je le prononce avec mon cœur, ça doit sortir du cœur, subhanallah, Ya Allah, tu m'as comblé pour ça, Ya Allah, tu m'as comblé pour ça, Ya Allah, tu m'as comblé pour ça, Ya Allah, tu m'as comblé pour ça. D'ailleurs, Moussa alayhi salatu wassalam a dit au Bani Israël, souvenez-vous quand Allah vous a sauvé de Pharaon. Et peut-être aujourd'hui, souvenez-vous quand Allah t'a sauvé dans telle épreuve, telle épreuve, telle épreuve. Rappelez-vous des jours où Allah était là. Il vous a véritablement sauvé. Mais nous, on est dans la gratitude. Nous, on tombe dans le piège de Shaitan. Allah est en colère contre moi. Allah est en colère contre moi. Non, il est plein de rahma. Il est plein de rahma. L'univers entier a commencé après Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On doit être dans l'admiration et non pas avoir une mauvaise opinion d'Allah. Peut-être, d'accord, allez, peut-être, j'ai commis une erreur, Allah veut que je revienne. Puisque le prophète A.S. nous dit As-sadaqa tutfi'u ghadab ar-rabb. L'aumône éteint la colère d'Allah Azza wa Jal. Eh bien, si j'ai commis un péché, je répare, tout simplement. Action-réaction. Action-réaction. Mais pas action-lamentation, action-dépression. Le musulman, il est juste envers lui-même. Sauvons nos âmes, les âmes de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en procédant chacun à une reconnaissance. La yughayyiru Allah ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. L'état, la condition d'un peuple ne changera pas que si chacun décide fermement et individuellement de changer. Voilà le verset. Voilà la demande d'Allah. Voilà l'exigence d'Allah à prendre ou à laisser. Mais on doit sortir de cette épreuve. On doit être fort et fortifié, pur et purifié. Nos âmes, nous devons les purifier. Nous avons été créés pour ça. Et c'est l'une des lois universelles d'Allah. C'est qu'on purifie nos âmes. Purifie sa langue, purifie son cœur, nos intentions, nos mains, nos jambes. Tout doit être mis à la disposition, à l'obéissance et non à la désobéissance d'Allah Azza wa Jal. Comment Allah pourrait vous châtier si vous êtes dans la reconnaissance et si vous êtes fermement croyant? Et Allah récompense de manière parfaite pour celui qui est reconnaissant. Et Allah détient la parfaite connaissance. Il sait parfaitement tout ce qu'on fait.
وهو معكم أينما كنتم. Allah dit, et il est avec vous où que vous soyez. À ce moment précis, présent, Allah est avec nous et il sera toujours avec nous. Faisons en sorte qu'il soit avec nous, qu'il ne se détourne jamais de nous. Et puis, en parlant de Alhamdulillah, quatre choses définissent le croyant, quatre critères définissent le croyant au quotidien, d'accord ? Premièrement, c'est la reconnaissance, al-shukr, la différence entre Alhamd ou al-shukr. Alhamd, c'est le fait de le dire avec la langue. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shakara, c'est à entrer en action. D'accord ? C'est-à-dire qu'Allah m'a comblé d'un salaire, Alhamdulillah, et bien de ce salaire, j'en dégage une partie pour faire sadaqa. La meilleure des sadaqa, c'est pour la famille. Donc quand je suis responsable et chef de ma famille, j'agis en conséquence. Tout ce que je vais apporter, ma contribution, sera une belle sadaqa en y mettant l'intention. Que ça soit sincère pour Allah, ça sera une belle sadaqa pour ma famille. Mon épouse, mes enfants, mes parents, etc., etc., etc. Les cadeaux dans la relation conjugale, un sourire, un bon conseil, un bon plat, une sortie, une promenade, etc. Ok ? La reconnaissance, la shukr. Ensuite, une des qualités du croyant au quotidien, c'est une foi ferme. Ce n'est pas une foi bancale, c'est une foi ancrée. Troisième aussi critère, ad-du'a. L'invocation. Allah nous a donné l'ordre de l'invoquer. Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi et je réponds. Il est magnifique le verset. Invoquez-moi. Ud'uni, invoquez-moi. Et je réponds. Le verbe, il est au présent. Au moment où tu m'invoques, tu as déjà la réponse. Invoquez-moi. Je vous réponds. Tout de suite. Mais invoquez-moi. Et ça, on oublie. Nous, on invoque, mais on a oublié la partie du verset qui dit « Estajib lakum ». Je réponds, je vous réponds tout de suite. Maintenant, on ne va pas commander la réponse d'Allah. Ça serait injuste de notre part. On se doit d'invoquer, de faire l'effort, et Allah appartient le résultat. Tout est entre les mains d'Allah. Pourquoi ? Parce que ma foi, elle est ferme. J'ai confiance en Allah. Le croyant croit. Et quand on croit, on a confiance. Et quatrième qualité aussi du croyant au quotidien, l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. C'est signe de repentir, mais aussi signe d'humilité. Vous avez des personnes, peut-être qu'elles ne sont pas dans les péchés, mais le fait de faire l'istighfar, ça les fortifie dans leur foi, et on en a besoin, parce que c'est symbole d'humilité. On se sent tout petit, on se fait tout petit vis-à-vis de notre Seigneur. Et trois choses sont contre le comportement du croyant au quotidien, c'est le fait d'être injuste. Injuste envers son épouse, ses enfants, ses parents, la fratrie, la communauté, son voisin. Être injuste aussi envers nous-mêmes, ne pas s'oublier. Être aussi dans le complot, d'accord, comploter, bon je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis aussi de ne pas respecter les pactes et l'engagement. Le croyant, il respecte le pacte qu'il a fait avec Allah quand il a dit « La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et le pacte avec Rasulullah. C'est pour ça que dans les lives, j'ai consacré une partie pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de renouer le pacte avec lui. Et puis, les engagements, c'est aussi mon engagement vis-à-vis de mes parents, mon engagement vis-à-vis de mon épouse, mon époux. Donc là, je ne dois pas trahir l'engagement parce que Allah azawajal, il m'a créé, il m'a dit choisis entre lui obéir ou le désobéir, et à nous de voir est-ce qu'on veut honorer l'engagement ou faire partie des infidèles. Dans sourate Al-Qamar, Allah Azza wa Jal nous dit inna arsalna alayhim hasiban illa ala lutin najaynahum bisahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar. Allah nous dit, nous avons fait descendre sur eux, c'est-à-dire le peuple de Lout, le peuple des homosexuels. Donc Lout avait été envoyé à ce peuple justement pour les appeler à revenir à Allah et à délaisser cette pratique.
Nous avons fait descendre sur eux une pluie de pierres, sauf la famille de Lout. Nous les avons sauvés avant l'aube, Bissahar, par un bienfait de notre part. C'est ainsi qu'on récompense ceux qui manifestent les bienfaits qu'on leur accorde. Donc, Lout, alayhi salatu wassalam, et ses filles étaient dans la reconnaissance. Ils étaient dans l'action. Ils étaient reconnaissants vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Avoir la foi, c'est bien, mais témoigner de sa foi par un bon comportement, par le fait d'appeler les autres à Allah Azza wa Jal, par le fait de donner de soi, eh bien, ça les a sauvés du châtiment qu'Allah avait réservé à ce peuple. Recevoir un caillou, ça peut faire mal, mais recevoir une pluie de pierres, regardez comment Allah Azza wa Jal n'a pas apprécié l'acte des homosexuels de cette époque. Et regardez aujourd'hui, cette pratique est très très répandue. Et Allah Azza wa Jal n'a pas fait descendre la pluie de pierre. Le corona est là, j'espère que ça sera une rahma pour nous, qu'on puisse se réveiller, qu'on puisse réagir et non pas se voiler la face en se disant non mais tout va bien, c'est à l'autre de changer. Non, c'est pas à l'autre de changer, je suis désolée, ce n'est pas à l'autre de changer. On n'attend pas des autres, et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas été envoyé pour forcer les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé pour nous transmettre le message, nous apporter le message. Il a été un modèle, il a commencé par lui-même. Alors soyons des modèles dans les couples, soyons des modèles dans la communauté en commençant par soi-même. Dans la bataille d'Al-Ahzab, Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a dit une magnifique invocation. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا لولا الله ما اهتدينا. Sans Allah, on n'aurait pas été guidé. Et sans Allah, on n'aurait pas pu jeûner. Et sans Allah, on n'aurait pas pu prier. Je répète la doua. لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. Qu'est-ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Que parmi tes valeurs, l'invocation, et dans ton invocation, la reconnaissance qu'il t'a guidé, qu'il t'a permis de jeûner. Ramadan va arriver, c'est une rahma. Il va falloir être reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et la prière aussi, ce n'est pas grâce à moi, mais grâce à la grâce d'Allah Azza wa Jal. Grâce à la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc, quand j'accomplis ma prière, c'est Allah qui m'a fait ce cadeau. Il a accepté que je vienne me prosterner à lui. Allah dit « Wassujud, waqtarib » et prosterne-toi et rapproche-toi. Donc dans la prière, c'est un moyen de se rapprocher, de vider son cœur, de se remettre en question, de laisser couler les larmes, de méditer les versets, d'être dans l'humilité, de se renforcer, de prendre de la lumière, de la force. Remercier et être reconnaissant, c'est le plus grand bienfait d'Allah envers nous. Qu'il nous permette d'être reconnaissant vis-à-vis de lui, wallah, c'est un très, 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 très grand cadeau. Alhamdulillah a commencé avant même la création de l'univers. Alhamdulillah, alladhi khalaqa as-samawati wal-ard. Alhamdulillah, rabbil alamin. Et dans le verset de Alhamdulillah, rabbil alamin, il y a une autre partie qu'on va, inshallah, expliquer. C'est Rabbul Alamin. Rabb signifie Al-Malik, le roi. Cela signifie Al-Ma'boud, donc le roi adoré. Al-Murabbi, celui qui éduque. Al-Mudabbir, celui qui a la gestion du monde. Et aussi Al-Khaliq, celui qui nous a créés. Et en parlant de création des êtres humains, Allah, quand il a choisi de nous créer, il nous a posé une question. Alastu bi rabbikum. Quand on était âme dans les cieux, Allah nous a demandé Alastu bi rabbikum. Ne suis-je pas votre Seigneur? Rabb. Et toutes les âmes vont répondre certes, tu es notre Seigneur.
toutes les âmes se sont soumises à Allah. Alors, vous avez la question qui pourrait être posée et venir à notre esprit, mais pourquoi on ne s'en souvient pas? Eh bien, tout simplement, par la rahma d'Allah, qu'il n'a pas voulu qu'on s'en souvienne pour pas qu'on pense qu'Allah nous a forcés. Ça doit venir spontanément de nous-mêmes. Donc, soit je le fais spontanément, soit je refuse, et là, je suis dans l'ingratitude, dans la non-reconnaissance de la seigneurie de mon Seigneur, de celui qui m'a créé. En arabe, on dit aussi « Rabbul Bayt », c'est-à-dire le responsable de la famille, celui qui prend en charge la famille. Et puis « Rabbul Alamin », c'est le maître des mondes. Comme j'ai dit hier, le maître, « Rabb », c'est celui qui inculque les valeurs. Donc la valeur qu'Allah Azzawajal nous a offerte, c'est de l'aimer, de l'adorer, de le connaître. Ça fait partie des valeurs d'Allah. Et il nous a aussi offert, inspiré les deux voies. La voie de l'obéissance, la voie de la désobéissance est une valeur. À nous d'accepter la valeur qu'Allah Azzawajal a choisi pour nous, la voie de l'obéissance, et de délaisser la voie de la désobéissance. Il est le maître des mondes. Toutes les louanges de la reconnaissance, de l'admiration, de l'amour appartiennent au maître des mondes. Et subhanallah, al-alamin, c'est le pluriel de alim. Et dans alim, il y a le mot alama qui veut dire signe, symbole, signe. Et subhanallah, Allah, il est le maître des mondes, le monde des anges, le monde du système solaire, le monde de l'air, le monde des montagnes, le monde de la faune, la flore, les êtres humains, les djinns, etc., le monde des animaux. Eh bien, subhanallah, c'est le signe, alim, qui vient de alama, signe, c'est le signe qu'Allah a donné existence à l'univers entier. Donc tout l'univers est signe. Alors hier, dans les questions, par exemple, certains se posent la question, est-ce que je dois quitter le pays où je suis pour aller vers un autre pays? On est dans l'univers d'Allah. On est dans les cieux et la terre, subhanallah. Où est-ce qu'on peut aller? On est dans la terre qu'Allah a créée, qu'Allah a choisie. Et puis le prophète alayhi salatu wasalam a dit: toute la terre m'a été offerte pour me prosterner. Donc où je vais, je peux me prosterner, subhanallah. C'est un cadeau d'Allah. Alors pourquoi parfois se poser des questions qui peuvent nous éloigner, qui sèment le doute en nous? Allah, il est Rabbul Alamin, tout lui appartient. Où est-ce qu'on va fuir? Où est-ce qu'on va aller? On ne peut pas fuir, on ne peut pas partir, on ne peut pas quitter. La plus grande des hijra. Et puis, subhanallah, hier une sœur m'a fait rappeler, elle me dit, mais les compagnons sont partis où? Avant même la hijra à Médine, il y a eu l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'était un pays, subhanallah, de non-musulmans. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, leur dit, allez chez An-Najashi, le Négus en Éthiopie. Allahu Akbar, si ça, on ne le maîtrise pas, si ça, dans notre foi, c'est pas ancré, c'est qu'il y a un problème. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aux premiers compagnons, aux premiers musulmans, allez dans la terre d'Éthiopie, alors qu'ils n'étaient pas musulmans, subhanallah. Et par la suite, le Négus va se convertir à l'islam. Mais il avait une valeur, ce roi, c'est qu'il était juste. Et c'est comme si Allah nous disait, à travers la sira du prophète, alayhi salatu wassalam, où que tu sois, sois juste envers toi-même et ensuite envers les autres. L'islam a commencé comme ça, d'être juste, de choisir ce qui est juste pour ne pas se faire du tort et ni faire du tort ou du mal à quelqu'un d'autre. Vous voyez, subhanallah, apprenons à méditer en profondeur chaque élément de la sira, chaque élément d'un hadith, chaque élément d'un verset. Et ça, c'est très très important. Regardez, subhanallah, mes rappels, c'est
c'est à la base les versets et les hadiths du prophète alayhi salat wa salam. Et on médite ensemble pour être plus fort. Donc la justice, il faut choisir la justice. Et actuellement, nous sommes à une ère, à une époque où il n'y a plus de justice, ni envers nous-mêmes, ni envers les autres, ni de manière mondiale. Il y a un grand fossé, un grand écart. Il y en a qui n'arrivent pas à manger et d'autres qui mangent trop ou pas assez. C'est pas normal, il faut qu'il y ait un juste milieu. Donc, ancrage de la foi, pour ancrage de la force, pour ancrage de l'amour, l'admiration et la reconnaissance d'Allah Azza wa Jal. Donc, Ar-Rabb, donc Rabbul Alamin, donc Ar-Rabb c'est le roi, le gestionnaire de l'univers entier et le créateur. Ensuite, Rabb, quand on médite le sens dans ce terme coranique, il nous renvoie à deux choses. Rabb, c'est un terme du Coran qui nous fait sentir la proximité d'Allah, puisqu'il il nous prend en charge, donc il subvient à nos besoins, comme un responsable d'une famille prend en charge sa famille. Et puis nous inculque des valeurs, la valeur de l'obéissance, la valeur de l'amour, la valeur de l'admiration, la valeur de la reconnaissance. C'est une relation entre moi et celui qui m'a éduqué, qui m'a créé. Comme nous, on a une relation, subhanallah, avec nos parents. Ils nous ont éduqués, ils nous ont enseigné des valeurs. Donc vous voyez que c'est très très important d'avoir cette proximité avec Allah, de méditer le nom Ar-Rabb. Et aussi, il nous renvoie en même temps à un autre sens qui est la peur et la crainte. Parce qu'il est Rabbul Alamin, c'est lui qui gère l'univers entier, on doit se soumettre. Quand on rentre dans la salat, on rentre avec l'aide d'Allah pour l'admirer, le reconnaître, pour l'aimer, pour se rapprocher, créer du lien, mais aussi pour avoir la crainte, pour être dans l'humilité. Et Allah a voulu nous rassurer quand il nous a parlé de sa crainte dans la notion de Rabb. Il a voulu nous rassurer en nous disant « Et je suis Ar-Rahman, Ar-Rahim » c'est-à-dire l'infiniment miséricordieux dans mon être, c'est quelque chose qui m'appartient, et infiniment miséricordieux dans mes actions, dans mes actes, dans mes gestes envers vous. Et ça, c'est la grandeur d'Allah. Donc vous voyez que quand on rentre dans le salat, on va aller chercher la lumière, on va aller chercher l'apaisement et la sérénité, l'amour d'Allah. On est dans l'admiration. Et subhanallah, si vous méditez salat, chaque prononciation, chaque formulation, chaque geste, chaque parole, chaque acte nous témoigne de la grandeur d'Allah et nous appelle à l'humilité. Quand on dit Allahu Akbar, Allah est au-dessus de tout. Et là, on oublie tout. Et là, on se laisse aller auprès d'Allah avec amour, admiration et reconnaissance. Subhana Rabbi al-Azim. Ya Allah, tu es l'excellent, le majestueux, le magnifique, l'immense. Ta science est immense. Quand tu entends, c'est immense. Quand tu réponds, c'est immense. Ta rahma, elle est immense. Ta communauté, elle est immense. Ton univers est immense. Vous voyez, subhanallah, quand on décortique, on médite chaque geste, chaque parole dans le salat, c'est merveilleux. Et ça vaut le coup, subhanallah, de prendre son temps et de se dire, c'est mon rendez-vous. Et je ne dois pas le négliger. Je rentre dans le salat. C'est une invitation. Je ne m'invite pas, c'est une invitation d'Allah. C'est par la grâce de notre Seigneur. Le prophète, alayhi salat wa salam, nous dit, en parlant de rahma, puis la rahma elle est faite pour s'attacher à Allah. Inna Allah khalaqa ar-rahma yawma khalqiha 100 rahma fa amsaka 'indahu 99 rahma wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida falaw ya'lamu al-kafiru bi kulli alladhi 'inda Allah min ar-rahma lam yay'as min al-jannati wa law ya'lam al-muslim بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. Je traduis. Certes, Allah a créé la grâce et le jour de sa création, donc la création de la grâce, il a créé sans grâce. Donc la grâce a été créée par Allah et il n'en a créé sans. Il a retenu
auprès de lui 99 grâces et a envoyé dans sa création entière une seule grâce. Si l'ingrat savait tout ce qu'Allah avait de grâce, il n'aurait pas désespéré du paradis. Et si le musulman savait ce qu'Allah avait réservé comme châtiment, il aurait compris qu'il ne pouvait pas être épargné de l'enfer. Qu'est-ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ? Qu'Allah retient dans l'au-delà 99 grâces, qu'il a fait descendre une seule grâce, celle d'avoir la bienveillance envers l'autre, d'avoir un cœur bienveillant, un cœur doux envers les autres, de trouver des excuses pour les autres et non pas d'être dans la critique, le jugement ou le mépris. Donc d'avoir la grâce, ar-rahma. Est-ce que mon cœur est dans la grâce? Est-ce que mon cœur il est rahim vis-à-vis des autres, dans mes paroles, dans mes gestes, dans mes actions, envers mes parents, envers mes frères, envers mes sœurs, mon conjoint, mes enfants, la communauté, au boulot, avec les non-musulmans, avec les animaux, avec l'environnement, avec la nature? Est-ce que mon cœur est dans la rahma d'Allah Azzawajal? Donc, le prophète alayhi salatu salam nous dit, si l'ingrat savait tout ce qu'Allah avait de grâce, il n'aurait pas désespéré du paradis. Donc, vous voyez que, subhanallah, Allah il a gardé auprès de lui beaucoup de grâces et une de ses plus belles grâces, c'est son paradis. Et ce qu'Allah avait réservé aussi comme châtiment, eh bien, le musulman aurait compris qu'il ne pouvait pas être épargné de l'enfer. Il faut y voir, subhanallah, même dans la laideur, la beauté. Même dans la laideur de l'enfer, il y a la beauté. Pourquoi? Parce que c'est un rappel, un avertissement. C'est pour se dire, là, je vais dépasser une limite. Là, j'ai dépassé une limite, je rectifie le tir et je reviens. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Az-Zumar, le verset 9, أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَا اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةِ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Allah nous dit, celui qui est dans l'obéissance et l'humilité, dans la nuit, en prosternation, donc salat al-layl, et debout, tout en ayant la crainte d'Allah pour l'au-delà, espérant la grâce de son Seigneur. Allah nous dit quoi ? Celui qui est dans l'obéissance et dans l'humilité. Et chercher l'obéissance et l'humilité, la force de l'obéissance et de l'humilité, surtout dans la prière de la nuit. Ils sont en prosternation et debout. Ils sont prosternés la nuit et ils sont en action. Tout en ayant la crainte d'Allah pour l'au-delà. Donc avoir une aile dans la crainte et espérant la grâce de son Seigneur. On doit être dans les deux. On ne doit pas être que dans la crainte d'Allah, à tel point qu'on se dit, voilà, Allah est en colère contre moi, mais être aussi dans l'espoir de sa grâce, l'espoir de son paradis, l'espoir de sa rencontre, pour se dire que je dois équilibrer les choses dans ma vie. Je dois être dans la crainte de la désobéissance et dans l'espérance, dans l'espoir de la récompense de mon Seigneur. Je dois vivre entre les deux. Et ça met un cadre, d'accord? Le cadre pour être juste envers moi-même, ni trop, ni pas assez. Et puis, le compagnon Abdallah ibn Abbas, radiallahu anh, dit au sujet de ce verset, « Celui qui souhaite qu'Allah lui allège d'être debout le jour du jugement, qu'il se prosterne la nuit en espérant l'au-delà et la grâce. » Le compagnon Abdallah ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, la station debout pour attendre le jour du jugement, pour attendre son tour, va être terrible. Et celui qui veut alléger ce moment, eh bien, qu'il se prépare à travers la prière de la nuit. Donc être dans l'espoir de l'au-delà et être aussi dans la crainte de l'au-delà. Dans Sourate Al-Anbiya, les prophètes, verset 90, Allah nous dit « Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. » Ils se précipitaient d'œuvrer par des bonnes actions et nous invoquaient avec espoir et crainte, et ils étaient
plein de crainte et d'humilité. Qu'est-ce qu'Allah nous dit ? Dans Sourate Al-Anbiya, les prophètes, le verset 90, ils se précipitaient d'œuvrer par des bonnes actions. Ils étaient dans la concurrence dans le bien. Et aujourd'hui, on est dans la concurrence pour le mal. On est dans celui qui va le mieux enchérir dans les bêtises, dans les paroles, celui qui va le mieux enchérir dans les mauvaises actions. Là, pour ça, on a excellé. Alors qu'Allah nous appelle justement à exceller dans la compétition, la concurrence dans le bien. Soyons des bons compétiteurs. Soyons dans les bonnes actions sincères. Ils se précipitaient d'œuvrer par des bonnes actions et nous invoquaient. Et dans leur doua, ils invoquaient qu'Allah les protège du feu de l'enfer. Ils nous invoquaient qu'Allah leur offre le paradis. Ils invoquaient pour toute la communauté parce qu'ils espéraient aussi que toute la communauté échappe au feu de l'enfer et que toute la communauté soit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et ils étaient pleins de crainte et d'humilité. Le croyant doit être dans la crainte, il doit être dans l'humilité. C'est-à-dire qu'il doit se sentir petit et faible. Il doit se sentir absolument petit et faible. Qui suis-je moi pour parler comme ça ? Qui suis-je moi pour œuvrer ainsi ? Qui suis-je moi pour être dans cet état ? Alors qu'Allah nous dit « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ » et nous avons honoré les enfants de Adam. Et Allah a honoré tous les êtres humains. Et il a honoré plus particulièrement les croyants, ceux qui sont dans la crainte, ceux qui sont dans l'espoir de la grâce d'Allah. Donc Allah nous invite justement, quand on dit Ar-Rahman Ar-Rahim, à être dans la grâce divine, à espérer la grâce divine, à y croire fermement. Et ils étaient pleins de crainte et d'humilité. Il est Rabbul Alamin, c'est sa rahma, il est Ar-Rahman Ar-Rahim. Ça signifie quoi la rahma d'Allah ? C'est qu'il nous a considérés. Il considère l'être humain, mais il considère encore plus le croyant. Il considère, et Allah Azzawajal témoigne de sa considération par une façon excellente. Il est excellent, ses épreuves sont excellentes. Sa rahma est excellente, sa science est excellente, ses décrets sont excellents. Là où il nous a demandé de ne pas désobéir, c'est excellent. Quand il nous a demandé d'obéir, d'accomplir la salat, c'est excellent. Quand il nous a demandé de prendre soin de nos parents, c'est excellent. Quand il nous a demandé de respecter les droits et les devoirs au sein de la relation conjugale, c'est excellent. Quand il nous a demandé de prendre soin de l'orphelin, c'est excellent. Quand il nous a demandé de faire l'adhan, d'accomplir la salat, d'être un bon musulman, c'est excellent. Une foi ancrée, c'est une foi qui espère en la miséricorde d'Allah parce que sa miséricorde est excellente. Elle est infinie, elle est éternelle. Il faut y croire, il faut la vivre, il faut la témoigner. Il est Rabbul Alamin et Allah nous dit « Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah » N'est-il pas venu le moment pour ceux qui croient fermement que leur cœur réagisse au rappel d'Allah. Je ne suis pas là juste pour parler. C'est vrai que ça fait du bien sur le coup. On sent la sérénité, on sent l'apaisement. Et ce bonheur qu'on vit intérieurement, il faut que ça dure. On n'est pas que spectateur. On n'est pas que consommateur. On est acteur de notre vie, leader de notre vie, comme la reine de Saba, comme le roi Sulaïman, comme les prophètes, les messagers, les compagnons. On doit être acteur, c'est-à-dire c'est moi qui décide de vivre le bonheur. Mon bonheur ne dépend de personne. Sa source, c'est Allah. Sa source, c'est Salat, Al-Fatiha. Dans Surat Al-A'raf, et je terminerai inch'Allah par ce verset magnifique aussi, le verset 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya innahu la yuhibbu al-mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qareebun min al-muhsinin.
Invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Certes, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Et ne détruisez pas la terre après sa prise en charge. Et invoquez-le avec crainte et espoir. La grâce d'Allah est très proche de ceux qui excellent dans leur foi. Je répète, invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Ud'u, le verbe est à l'impératif. Ud'u, bismillah, on va invoquer, tout le monde invoque, on invoque pour nous tous. Invoquez votre Seigneur avec humilité. Et c'est ce qui nous manque, subhanallah, dans les du'as. Nous, on invoque, mais de manière exigeante. Et Allah, je te demande. Et parfois, subhanallah, on néglige l'art et la manière d'invoquer. On commence par exemple, surat al-Fatiha avant d'invoquer, puisque elle-même, elle est du'a. On commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin, cette sourate. On peut commencer par Qul Huwallahu Ahad, qui fait l'éloge d'Allah. On peut commencer par Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, parce que ce sont des formules d'invocation. On est en train d'invoquer les louanges d'Allah, on est en train de célébrer les louanges d'Allah. Donc revoir notre manière d'invoquer, parce qu'on doit invoquer avec humilité. Le cœur et la raison sont connectés, et tous les deux sont connectés au ciel. La connexion céleste, il est Rabbus Samawati wal Ard. Invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion, qu'il n'y ait pas l'ostentation. Parfois, l'intention peut être détournée par autre chose, par quelqu'un. D'accord ? Donc, privilégiez le sujoud, privilégiez la prière de la nuit, privilégiez entre l'adhan et l'iqam, privilégiez des moments le jour du vendredi, mais d'être seul, de s'isoler et d'invoquer. Certes, Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites. Allah n'aime pas ceux qui dépassent, qui transgressent, qui désobéissent. Et ne détruisez pas la terre après sa prise en charge. Allah Azzawajal a pris en charge l'univers entier et nous a demandé de ne pas détruire la terre avec notre désobéissance. Allah dit « Zahar al-fasad fil barri wal-bahr bima kasabat aydin nas » La destruction « Zahar al-fasad fil barri wal-bahr » est apparue sur terre, dans la mer. Pourquoi ?« Bima kasabat aydin nas » parce qu'ils ont fait. Et vous avez vu qu'il y a un impact. Nous, on ne le voit pas. Quand je suis dans la désobéissance, quand je suis dans la maladie du cœur, quand je suis dans l'ingratitude, quand je suis dans les péchés, quand je suis dans le shirk caché, eh bien, je contribue à polluer la terre, à détruire la terre. Et c'est ce qui se passe autour de nous, subhanallah. Et Allah nous dit, ne détruisez pas la terre après sa prise en charge. Allah prend en charge la terre comment ? Par le vent, la pluie, il fait descendre ses grâces. Ça, c'est la prise en charge d'Allah Azzawajal. Et invoquez-le avec crainte et espoir. La grâce d'Allah est très proche. Ça signifie quoi? Tous ceux et celles qui m'ont écrit par rapport à leur épreuve, tous ceux et celles qui me regardent et qui sont éprouvés, moi la première, et tout le monde dans la communauté, dans l'univers, on est tous éprouvés. Cependant, on est tous sous test. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Crainte et espoir, en lui faisant confiance. La grâce d'Allah est très proche. Quand vous êtes dans cet état-là, en faisant confiance en Allah, dans l'humilité, c'est là où on va ressentir la proximité avec Allah et c'est là où Allah fait descendre sa grâce. Il le dit, la grâce d'Allah est très proche de ceux qui excellent dans leur foi. Ça veut dire quoi ? Al-Muhsinin. Inna rahmat Allah qaribun min al-Muhsinin. Al-Ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Que tu adores ton Seigneur comme si tu le vois. Que tu l'invoques comme si tu le vois. Que tu te prosternes comme si tu le vois. Quand tu t'adresses à ton époux, à ton épouse, c'est comme si tu le vois. Quand tu parles à tes parents, quand tu agis pour tes parents, c'est comme si tu le vois. Quand tu es avec tes enfants, surtout pendant le confinement, c'est pas très facile, tu agis comme si Allah te voyait. Et pareil envers ses voisins, et pareil envers ses frères et sœurs, et pareil envers la communauté, et pareil avec notre téléphone, et pareil avec notre PC, et pareil quand on fait des achats, et pareil dans notre foi. Une foi ancrée, c'est une foi qui est dans l'espoir et dans la crainte, c'est une foi pleine d'humilité, c'est une foi pour laquelle Allah fera descendre sa grâce, c'est une foi qui ressent la présence d'Allah. واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين